Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à LEGO Resort 2 sur PlayStation 2. Comme ça c'est cohérent. Donc on avait testé il y a à peu près 2-3 000 ans le premier du nom sur PlayStation, je crois, ou sur 64, j'ai oublié. Un jeu qui avait déjà beaucoup plu à l'époque, hein. On pouvait faire personnaliser son karting, c'était assez cool. On va découvrir le 2, je sais pas s'il va être bien ou pas, je le découvre en tant que vous comme d'habitude. Donc on a mode 1 joueur, 2 joueurs, game option, on va aller un petit peu voir dedans. Contrôle, ketchup, c'est quoi ketchup? Bon, je sais pas ce que c'est, ça commence bien. Sound control, alors les contrôles du player 1. Choose button. Alors, accélérer la croix, freiner, reverse, triangle. On peut tirer des armes avec L1. Brick boost, R1. On peut parler avec Oron, ok. On peut regarder derrière avec L2, next target, preview target. Avec la touche haut et bas, ok. Ok, ok. On peut activer les vibrations, bien sûr. Ce que nous allons faire tout de suite. Le son, bon, il n'y a pas 30 000 options. Bon, c'est vrai que l'ego, c'est quand même un truc assez énorme parce que on est encore en 2022, enfin en tout cas à l'heure de cette vidéo. Et franchement, bah, ça marche toujours autant, quoi. Ils ont vraiment réussi à s'adapter à tout ce qui est milieu du cinéma, à tous les thèmes, pour perpétuer cette tradition des LEGO. Je sais pas si les enfants à l'heure actuelle, si vous avez des enfants par exemple chez vous, est-ce qu'ils jouent encore au LEGO? Parce que dans les années 90, c'était une mode énorme de jouer au LEGO. Dans les années 2000, je pense que ça s'est un poil perdu, parce que bon, avec l'informatique, les jeux vidéo, tout ça, ça a peut-être un peu perdu, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore, donc voilà. Si vous avez des enfants qui jouent au LEGO, bah écoutez, tant mieux. Alors, on a donc un mode 1 joueur, 2 joueurs, et un mode construction. On va quand même voir ce que c'est, mode construction. Ah oui, donc on peut construire donc une voiture ou faire son propre personnage. C'est parti, donc voilà Sparky qui nous parle. Hello, to choose yourself a face. Ok, on va prendre en les faces qu'on a. Les faces, les têtes, parce que sinon ça fait les fesses. Je sais pas si on peut personnaliser les fesses dans le jeu, mais bon, bref. Alors, on a quelques choix quand même, ça a l'air sympa. Alors j'ai envie de faire un personnage unisex, donc il y aura rien en fait, voilà. Very good indeed. Donc maintenant on va choisir le chapeau, s'il en a un. Bon, l'idée serait quand même de prendre un chapeau de pilote parce que c'est quand même un jeu de karting. Enfin c'est un jeu de karting. Donc on va prendre celui-là. Ensuite, on a voilà les différents. Ouais, costume, on va dire ça comme ça. C'est moi, c'est Star Wars, ça. Non, je sais pas. Bon, c'est que c'est assez pixelisé. Je n'ai absolument pas upscalé le jeu, hein, je précise. Donc voilà, on est vraiment dans la résolution d'origine. Donc si c'est pas beau, bah c'est pas beau, hein, c'est ce que vous auriez vu à l'époque. On a un costume un peu mécano, ça fait penser à Mario. Je sais pas du tout ce qu'on va prendre. Bon, lui, ça sera cohérent avec le casque. Et les jambes. Les jambes. Bon, on va prendre du gris, allez. Looking good. Well done. Ok. Et maintenant, on va... Alors apparemment, on a plusieurs mondes. Ok, donc on a le Sandy Bay, le Dino Island, le Mars, Arctic et Xalax. Alors Xalax, apparemment, c'est ce qu'on voit à la fin avec le panneau dans l'introduction. Donc j'imagine que bah, c'est un monde qu'on... On doit peut-être battre le plus fort de tous les pilotes, je ne sais pas, on verra. Enfin, on verra pas dans cette vidéo justement, parce que comme on a dit, ça sera trop long. Allez, Sandy Way. Ok. Un up. Ok, premier joueur. Si tu... You are going to need a car. The bar at the top show you all the... Select chassis. Bon, je vais pas avancer pour aller un peu plus vite quand même. You have chosen the brick. You will want to move it around. You can move bricks with nanana. You can also rotate it with L1 and R1. Et quand vous serez content avec ça, vous aurez plus qu'à presser la croix. Ou vous pourrez presser triangle pour revenir. Pour choisir une autre brique. Ok, guys. Si vous voulez sélectionner une brique que vous avez déjà placée, vous pouvez aller en arrière. Ah oui, d'accord, ok. With the, avec le bouton L2, N, R2 et R2. J'essaie de passer, je n'y arrive pas. Ça a l'air un peu long. Ah,
Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Voilà, donc c'est réglé. Donc oui, je peux enfin voir mes pièces. Donc voilà le karting. C'est un petit bug d'affichage. Voilà le karting que l'on a au début. Donc il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire la Clodo Racing avec rien du tout sur le kart? Je ne sais pas. Alors you can't select a brick if you have a brick more built on top of it. Ok, on peut pas. Alors par contre, est-ce que je peux. Voilà, on va prendre une brique. Je sais pas ce que je pourrais faire. J'ai un peu du mal à distinguer les briques en plus, donc ça va être pas trop. Bah écoutez, on va faire. J'en sais rien, on va faire une alpine. Allez, tout le monde sera content. Voilà, on va en positionner une là. Je peux pas sortir du cadre, si? Non, je peux pas. J'ai oublié de construire là vraiment où il y a les emplacements. Là, je ne peux pas la positionner, donc on va revenir en arrière. On va prendre un carré bleu pour faire la partie moteur. Voilà. On va essayer de faire une F1, tant qu'à faire. Allez, on va changer de brique. On va prendre une brique comme ça. Brique de 4. Non, c'est pas une brique de 4 que je voudrais, c'est une brique de 2. Allez, on va en arrière. Voilà. Là, il y en a une. C'est quoi ça? C'est des briques un peu spécifiques, j'ai l'impression. Brique de 2, brique de 2, brique de 2. Ah oui, d'accord, donc faut vraiment revenir en arrière. Alors le côté d'avoir en haut le truc à l'horizontale, c'est. Je pense pas que ce soit vraiment une trop bonne idée parce que vous voyez le temps qu'on met à revenir en arrière, c'est quand même pas évident. Allez, on va prendre le bleu. Voilà, on va l'orienter, on va la mettre dessus. Limite je pourrais encore mettre dessus. Voilà. Ensuite, je vais faire une comme ça. Ah, je suis en train de faire une Formule 1 les gars. Incroyable. Donc, on va en mettre une là. Ah merde, encore une ici. Par contre, je sais pas si je pourrais aller. Ah ouais, je peux aller tout droit, mais c'est génial. Par contre, est-ce que je vais pouvoir en dessous positionner mon aileron? Peut-être, 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 peut-être. Alors attendez, parce que je crois que on a une brique solo. Bon, la brique solo, je vais la faire en noir. Voilà. Par contre, est-ce que je peux. Non, je peux pas me caler comme ça. Alors, j'ai peut-être une idée. On va revenir en arrière. Oui, par exemple, là, on a des. Voilà, c'est des grosses briques sur le côté. Je vais pouvoir la poser comme ça. Oh, regardez-moi ça. On dirait les F1 des années 80. Regardez-moi cet aileron avant monstrueux. C'est un aileron râteau. Voilà, et ce que je voulais aussi c'est faire un aileron arrière. Donc pour faire un aileron arrière, bah, il va falloir que je change de brique. On va se mettre avec du. Ouais, puis j'aurais pu faire un aileron un peu mieux fait quand même. Bon, en vrai, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire un truc sympa. On va la tourner un peu. Voilà. On va mettre. Voilà, on va en mettre une là. Tac, donc ça c'est bon. Allez, il nous manque l'aileron arrière. Bon, je vous avoue que cette partie va être un peu longue ou une géance, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est quand même les Lego, donc c'est un peu le principe. Donc c'est pas trop gênant quand même. Alors, derrière, est-ce que je vais faire un aileron blanc, bleu? Non, on va regarder du bleu. Par contre, ce que je voudrais faire. Non, pas trois. Là, c'est des trucs de 3. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'élargir un peu. Ah, mais je pourrais pas l'élargir. Je ne pourrais pas l'élargir. Faut que je prenne une brique de 2. Voilà. On va faire le Monkey Seat. On prendra ceux qui veuillent. Donc. On revient en arrière. Décidément. Allez, je vais mettre en noir, comme ça sera un peu plus détaché. Quoique non, attendez. Si je fais un Monkey Seat blanc, bleu, pardon, que je mets sur les côtés, je vais pouvoir faire par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Ah mais non, non, non. Regardez, on va prendre un truc beaucoup plus long. Voilà, alors peut-être 3, 4. Il faudrait 4 en fait. Il faudrait une longueur de 4. Voilà, parfait.
on a le... On va le prendre en noir, ça sera un peu plus détaché. Voilà, hop. Ah, j'ai fini! J'ai plus de pièces! Mais c'est un scandale! C'est un scandale, les gars! Je peux même pas faire ce que je veux, en fait. Pardon. Ah, je suis dégoûté. Ah ouais, non mais non. S'il vous plaît, quoi. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, vu que je peux mettre qu'un truc... Ouais, je peux mettre qu'un petit aileron comme ça. Alors attendez, je vais voir si j'ai une pièce qui est pas un peu... S'il y a pas une pièce un peu plus longue. Je sais pas, il y a une... pas une pièce de 6 ou... J'en sais rien. En fait, ce que j'aurais dû faire... c'était quoi déjà? Ça c'est quoi? Ça c'est des carrés, ça c'est... Ah, on a différents outils, regardez, on a... Some brick, need a wall bunch of different type of brick. Ouais, j'avais même pas vu ça en plus. Bon, le problème c'est qu'en fait c'est par nombre de briques. C'est-à-dire que... Ouais, j'ai perdu je pense beaucoup de temps à rajouter des petites briques, par exemple sur les côtés, ça sert à rien. Choose a pre-built car. Bon, écoutez, je vais rajouter. C'est la déception. J'ai déjà tout perdu, quoi. J'ai tout perdu ce que j'avais fait. Bon, allez, on va faire un peu plus vite. Je suis désolé, on perd du temps, mais on va faire un peu plus vite. Je vais prendre un bloc de 3. Ici, voilà, un bloc de... Alors, faudrait un bloc de 4, en fait, pour que ce soit beaucoup plus prolifique. Voilà, peut-être que je vais réussir. Je vais quand même tenter de faire mon alpine, hein. Après, je vous mettrai le time, si vous voulez passer à la partie suivante. Je veux faire mon aileron arrière, hein. Je suis désolé, hein. C'est pour moi, c'est obligatoire. Alors, les pontons, bon, on va les faire blancs, hein. Écoutez. On va les faire blancs, mais on va faire avec une... Voilà, un truc comme ça, on va les faire en blanc, voilà, tac. Devant, ce que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait, bon, normalement c'est bon, il m'en reste 15, ça devrait passer. Donc on va faire, voilà, hop, non, il me faut en deux petits. Voilà, voilà, allez hop, un deuxième là, on a un aileron avant qui est dégueulasse mais c'est pas grave, c'est un aileron quand même. Et ce que je veux c'est derrière du coup, voilà, donc, on va mettre encore un deuxième même, j'adore faire ça, et on va mettre en haut un très long. On l'a qu'en rouge. C'est vrai qu'on pouvait changer la couleur. Bon, c'est pas grave. Elle sera rouge, hein. L'aileron arrière sera rouge. Écoutez, voilà. C'est très très moche. C'est le stéréotype de la F1 fait quand t'as 4 ans. Mais on va valider avec ça. Allez. On va faire OK. Yes, je suis content. Je store la voiture. OK. On va faire exit. Voilà. On va sortir. Non. Allez, c'est parti. Premier menu, on est déjà à 16 minutes. On a le mode aventure, le mode arcade, le mode meilleur temps, time attack, bonus game. Je sais pas ce que c'est, on verra après. Bah écoutez, on va lancer le mode aventure, pourquoi pas. Nouvelle partie. Donc, hop. Alors oui, je m'appelle un APK. On va s'appeler du coup Roger. C'est une évidence. Voilà. Hello Kim, use the left and right. Oui bah alors du coup c'est bon, c'est ce que je voulais, ça je le garde. Looking good. Allez c'est parti. On va prendre une voiture déjà faite, hein, parce que franchement c'est bon quoi. Alors regardez, elles sont plutôt bien faites d'ailleurs, bon après c'est logique, hein, c'est des Lego quand même. Oh il est génial ça, on a un livreur. Regardez le modèle que j'ai fait, il est magnifique. Bon, on va prendre un autre modèle. J'ai envie de prendre celui-là, tiens. Totalement illogique pour la course, mais bon, ça a l'air drôle.
Allez, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va être dans un monde ouvert? Est-ce que ça va être... On va voir, on va découvrir. Je me demande si c'est pas un monde ouvert, parce que je suis en train de voir les écrans du chargement. Ça a l'air d'être un peu ça. Ok, votre premier job sera d'apprendre comment contrôler votre voiture. Use X to go faster. Pour aller plus vite. Carré pour s'arrêter. Et utiliser triangle pour aller en arrière. Get the hang of it. Follow, alors suis la flèche verte et retrouve-moi à la plage. On se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Ouh, regardez. Alors, on va faire un petit tour pour commencer. Donc, on a un petit village en Lego tout mignon. Regardez, c'est génial. Oh là, ça me rappelle mon enfance. Franchement, je trouve ça génial. Alors, bon, apparemment, on a des zones d'intérêt. Un peu partout dans la ville. Alors la ville, je sais pas si on a. Alors si on fait select, ça fait rien. Si on fait start, on a résumé. J'ai pas l'impression qu'on puisse voir la carte. Enfin, en tout cas, je vois pas de carte. Donc on est sur l'île Lego. Là, il y a l'air d'avoir un portail. À mon avis, on peut pas y aller tout de suite parce qu'il va falloir sûrement débloquer des choses. Donc là, on va aller à la plage, comme il nous a demandé. Alors qu'est-ce qui se passe si je rentre dans le décor? Yeah, c'est destructible. Si je rentre dans l'arbre, non, ça marche pas. Apparemment, c'était triangle pour aller en arrière. Est-ce que je peux tout casser? Parce qu'évidemment, ce qui est drôle dans les Lego, c'est évidemment de construire et de tout casser. Sinon, ça n'a aucun intérêt. En vrai, je cassais pas trop les Lego quand j'étais gamin. Mais bon. Allez, c'est parti. On va aller parler à monsieur. Parce qu'on a perdu énormément de temps dès le début. Hop. Alors, comment je lui parle à lui? Hey! Belle conduite! Alors, essayer de revenir là dans l'île, j'ai lu qu'il y a apparemment un truc qui allait se passer. Bon, enfin, j'ai pas le temps de tout lire. Alors, est-ce que je peux monter comme je veux? Ouais, ça va, il grimpe bien. Hein. Bon, on perd des kilomètres-heure, mais il grimpe bien pour un camion de livreur. On a des maisons là. Ouf. Je crois qu'il y a Lego City Undercover, je crois, qui était sorti, qui ressemble à un GTA. Alors, attendez. On va s'arrêter là, on va parler à lui. Depuis que j'ai acheté mon nouveau... Bon, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok, donc en fait ils sont en train de se tirer la bourre pour savoir qui c'est qui va être le plus rapide, qui c'est qui aura la plus... Je ne dirai pas la suite. Mais c'est mon job de trouver... Ok. Moi aussi, mais avec mon 4 de police, c'est plus rapide que votre... Ça me rendra moi le. Enfin, ça fera de moi le pilote le plus rapide. Non, je suis le plus rapide des pilotes. Bon, à tous les challengers. Eh les gars. C'est quoi la dernière fois que vous avez vu un camion. Enfin, un digger. Je sais ce que c'est un digger. Gagner une course. Vous pourriez même battre Kim, donc moi. En fait, il se fiche de moi, c'est génial. Donc ça c'est moi, effectivement. Ok, donc on va se retrouver pour faire une course. Donc là on s'est fiché de lui et il est pas content. Bon, enfin ça c'était... C'est l'évidence même. Bon, c'est pour les enfants évidemment, hein, ce genre de jeu. Donc, enfin, ça s'adresse surtout pour les enfants. Donc l'humour, il y en aura, bien sûr. Mais ce sera de l'humour. Alors, j'ai remarqué que dans les jeux Lego, il y a de l'humour, bon, basé souvent sur des films. Et c'est parfois de l'humour un peu. Bah, c'est de l'humour aussi pour adultes. Hein. Il y a de l'humour pour enfants, mais des fois, il y a un peu d'humour. Les deux publics, en fait, vont trouver leur intérêt. Allez! C'est parti. Alors, tu es là.
faisons la course. Ok, alors c'est un petit peu dommage, c'est un peu long, je trouve. Les dialogues sont un peu longués. C'est pas très dynamique, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Donc, mes chargements sont un peu longs. Sachant qu'on a déjà chargé le jeu à la base, donc c'est un peu dommage. Et nous allons découvrir si le jeu est intéressant ou pas. Allez! C'est Bordy! La course est lancée! Est-ce que je peux le faire sortir du checkpoint? Non. Oh bah ouais, si, en fait, si je peux. Voilà. Donc on a des checkpoints à passer. Donc apparemment, on a des items, bien sûr, puisque sinon je ne pourrais pas utiliser tel ou tel truc. Alors, c'est parti! Donc là je sais pas ce que c'est que j'ai... Targeting second. Ok. Donc en moins que la flèche haut et droite, je peux choisir ma cible. Donc probablement on est que deux, donc ça n'a pas d'intérêt. Je vais essayer de lancer mon truc. Bon, le problème c'est que là je suis premier, donc j'envoie mon item de l'autre côté, ça n'a pas de sens. Allez, premier tour fait sur deux. Est-ce que je sais plus si je peux regarder. Oui, je peux regarder derrière, regardez. Par contre, je ne peux pas changer de vue. Je vais essayer d'utiliser mon item. Alors, l'avantage de pouvoir regarder derrière, c'est que voilà, je vais pouvoir essayer de viser mon adversaire. Oh là! Ah, j'ai fait n'importe quoi! Hey, arrête de m'envoyer là! Qu'est-ce qu'il fout? Oh non, je suis retombé dans l'eau, quoi. Ah, je vais perdre, en fait. Je vais perdre la course, mais c'est incroyable. En plus, j'ai raté le checkpoint. Et voilà, à force de regarder derrière moi, j'ai totalement perdu. Bon, ouais, j'ai perdu. On est déjà au dernier tour. Est-ce que je peux faire recommencer? On va faire restart, oui. On va faire restart. Eh, je dois regarder derrière moi, j'aurais pas dû. Allez, j'ai encore essayé de l'envoyer pêtre lui. Bon, en tout cas, le jeu est très fluide. On n'utilise absolument pas toutes les capacités de la Play 2, vraiment. Les effets sont plutôt bien faits. Je sais plus quand. 2001, je crois, le jeu, ou 2002. Donc, on est au début quand même de la console. Donc le jeu est très correctement réalisé. Après, c'est vrai que ce qui est difficile dans les jeux Lego, c'est le décalage entre le graphisme en forme de briques et le reste, en fait. Par exemple, la nature. Là, typiquement, on a des choses qui sont faites en briques comme les arbres, mais... Je sais pas si je vais arriver là. Mais... le sol, par exemple, n'est pas en briques. Je pense que si on avait fait le sol en brique, ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile pour la console d'afficher tout, parce que ça aurait fait beaucoup plus de polygones. Et ça serait, je pense, possible, parce que par exemple, quand on compare avec Sonic, avec la Green Hill Zone, bah, ils arrivent très bien à faire tout le décor, en fait, avec leur pad graphique. J'ai mis une mine, est-ce qu'il va se la prendre? Je crois qu'il se l'est prise en plus. Alors on a la petite mini-map aussi que j'ai pas vu sur le côté. Oh regardez! Oh, il m'a envoyé un missile! Et le truc de fou c'est que ça casse mon véhicule. Mais c'est génial! Ça c'est génial par contre. Dégâts localisés sur le véhicule, incroyable. Et j'ai gagné. Ouf. Mon cargo s'est fait un petit peu démolir. Oh non, c'est impossible! Comment as-tu pu me... As-tu pu battre mon nouveau... Je sais plus ce qu'ils avaient couillé roulé. Ah ah, c'est tellement drôle. Ah, dit c'est drôle, hein? Alors pourquoi tu essaies pas de te battre contre lui? Ok, donc il va falloir chercher la poste. Et on fera une course contre le postier, hein, simplement. Postier, hein. P-O-S-T-I-E en anglais. Allez, on fait continuer. Bah du coup, ça charge, voilà. En fait, on aurait pu très bien ne pas charger l'univers et en fait partir de là où j'étais pour revenir à la ville.
Ça a très bien pu se faire. C'est-à-dire que ça fait pas, ça fait monde ouvert en premier lieu, mais pas tant que ça. Y a trop de coupures. Enfin, on va quand même passer à la deuxième course. On a combien? 27 minutes de jeu. Ah, je vous aurais pas montré grand-chose. Tiens, le postier là. Ah, je peux même pas sortir sa voiture. Ah, j'aurais voulu la balancer de. Oh, regardez, attendez, j'ai vu un truc là. Attendez, un truc par terre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai trouvé une pièce. Il y a 2 sur 35 à trouver. Et regardez, il y a un bateau là. Attendez, je bade un petit peu quand même pour voir s'il y a des choses cachées. Ah, mais je peux pas y aller? Ok. Ah, j'ai pas fait attention, mais en fait, quand on se crash ou autre, il nous reconstruit le véhicule. C'est pour ça qu'on a plein de briques autour de nous. Sans importance. Allez, c'est parti. Allez, on va freiner. Alors, par contre, le marche arrière sur triangle, bon, c'est comme dans Gran Turismo. Mais j'avoue que j'ai pas trop l'habitude dans ce genre de jeu. Genre, on reste appuyé sur le carré, et puis au bout d'un moment, ça va en marche arrière. Là, il faut vraiment faire. S'arrêter, puis après passer à la marche arrière. Mais j'ai aucune chance. Là, j'essaie, mais c'était ce que l'ouvrier pensait. L'ouvrier, workman, je sais pas traduire ça en anglais. Ce que le salaryman, donc non. Bon, on va dans les commentaires, de toute façon, vous aurez compris. Allez, on passe à la petite course numéro 2. Toujours sur le Sandy Bay. Et on vient de la pluie. Intéressant tout ça. Oh, je crois que j'ai fait un super départ. Regardez, mon véhicule est tout. Il est carrément cabré. Alors, je suis sûr, ça, elle est où là? Oui, ok, c'est bon. Ah, j'aurais pu couper en fait directement. Ok. Alors, bon, on va profiter pour balancer quelques items. Il y a plein d'heures. Bon, les goudos sont plutôt bien faites. En fait, je peux forcer le fait de choisir un item plutôt qu'un. Bah, pas forcément choisir l'item en tant que tel, mais. Ah là, j'ai visé grand avant. Mais le fait d'arrêter le. D'arrêter de me faire. Comment dire, défiler les items, voilà. Bon, il est un peu loin. Mais il peut très bien. Ah, j'ai perdu quelques trucs, regardez. Sur mon véhicule. J'ai pas réussi à l'avoir. Bon, en tout cas, c'est postier contre postier, puisqu'on a le même véhicule. Je sais pas s'il y a des différences entre les choix, enfin les véhicules que l'on a et les autres. Peut-être au niveau de la conduite. Mais je doute qu'il y ait une différence, en tout cas, au niveau de la vitesse. Alors là, j'ai visé en arrière, mais par exemple, le missile est quand même passé devant. Donc je pense qu'on peut pas tirer en arrière. C'est pareil, j'ai encore envoyé un missile. C'est pas logique d'avoir un missile quand on est premier, par contre. Non, il est devant nous. Aïe aïe aïe, j'ai tapé l'arbre. Ah non, secours, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué ma boule. Eh ben ouais, ben non, mais du coup, je vais perdre. Magnifique. Je vais perdre au dernier moment. Décidément. Ah, j'ai perdu, je suis perdu. Bon, j'aurais dû faire restart en fait. J'aurais dû faire. Ah, je te l'avais dit, reviens et essaye encore. Si tu penses que tu peux être un peu encore plus rapide. Bon, je vais faire play again, évidemment pour gagner. Alors normalement vous aurez un petit cut. Hein. Voilà, j'ai pas vous montrer la course deux fois.
Sauf si évidemment il y a un truc intéressant entre les deux. Ah, j'ai quand même profité pour. Ah, mais c'est un palais en fait, ok. Je pensais que c'était une mine à la base, mais en fait pas du tout. Ah, bah, le missile il sert à rien, on l'a dit. Donc le palais, on peut bien l'envoyer en arrière. Ok, donc j'ai dit une bêtise. Par contre, le missile à tête chercheuse, no way. Hein. Il ne devra jamais... jamais partir derrière. Alors je vois qu'il y a encore les traces, je sais pas, il y a des traces sur le sol. J'aimerais tellement le toucher. Pour l'instant j'arrive pas, hein. Ça tire trop droit, ça tire tout droit. Dernier tour. Alors au niveau de la maniabilité, c'est quand même très très basique, hein. Gauche-droite, accélérer, freiner, mais je veux dire, le quand je tourne gauche-droite, c'est vraiment très très fluide. Il n'y a pas vraiment de dosage. Oula, je vais prendre un palais. Il n'y a pas vraiment de dosage, donc ça va être très facile à prendre en main pour tout le monde. Oh, j'ai un éclair, attendez. Ah, ok, c'est un éclair. C'est quoi un éclair? Je sais même pas à quoi ça sert, cette éclair. Et j'ai perdu des choses sur mon véhicule, j'ai pas compris pourquoi. Quoi? Attendez, j'ai raté un checkpoint! Mais c'est une blague! Oh non, j'ai raté un checkpoint quoi, j'ai encore terminé dernier. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible! Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Parfait, c'est basé. Oh, je suis invisible maintenant. Allez, on va enfin réussir à gagner cette course pour la troisième fois. Félicitations! Youpi! Eh ben voilà! Enfin! Ah là, ce n'est pas juste. Comment tu as fait pour apprendre la route aussi rapide? Ah là là. Et là, maintenant, on a le Fireman qui va sûrement nous convenir un duel contre lui, bien sûr. Ah ouais, il est pas très sympa quand même. Si tu veux un vrai challenge. Viens et bats-toi contre moi. Enfin, cours contre moi. Bon, ils valent tous pas plus, pas mieux hein, les uns des autres. Hein, Allez, on fait continuer. On va quitter le mode aventure parce que vous avez compris qu'on va, bah, pour l'instant en tout cas, on va se charger de à chaque fois de battre X ou Y du village jusqu'à ce que tout le monde en ait marre de perdre contre moi. Et je pense qu'évidemment après on aura des portails qui vont se construire vers d'autres mondes, d'autres types de courses. Ce que je voudrais vous montrer, voilà, donc là on est revenu un peu sur l'île. Je sais pas si l'île est grande, on va aller tout en haut. On sait jamais, je vais voir si c'est quelque chose, si on peut voir une petite vue générale de l'île de base dans le jeu. Est-ce qu'on peut y aller? J'assure que si la poste avait des véhicules qui étaient capables de grimper aux arbres comme ça, bah le courrier on l'aurait vraiment partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je suis allé dans une tornade. J'ai découvert un truc incroyable.
Hello there, Kim. Salut, Kim. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, j'étais supposé pour parler à la taxi de mon laboratoire, mais il a juste trouvé. Je sais pas, il est trop occupé en gros. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de petits trucs ronds sur la carte, donc j'imagine que l'on va devoir. On va devoir. On va peut-être devoir passer dedans. C'est vrai que j'aurais dû mettre le jeu en français. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais. Parce que je crois que le BIOS est en anglais, c'est pour ça. Timelapse 5 minutes. Donc j'imagine que je vais devoir récupérer des trucs en 5 minutes. Alors j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'ils ont une petite voix aussi quand ils parlent. C'est assez faible, les voix elles sont un peu dégueulasses. Ah, la petite musique a changé. Ok, donc ça c'est Crazy Taxi. Donc on va pouvoir. On va amener des gens au fur et à mesure, apparemment. Oh les. On va aller là-bas. Non, pas dans l'eau, s'il te plaît. Oh, attention. Oh, j'aurais pu passer par le pont en fait. Je sais même pas pourquoi je suis passé par là, mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Oui. Thank you. Donc là j'ai 5 minutes, on va aller vite prendre une autre personne en stop. Elle est là non? Personne? J'aimerais vraiment voir le jump gate à l'ouest de l'île. Peux-tu m'envoyer là-bas s'il te plaît? Ah c'est très très poli, j'adore. Ça met des heures du coup pour, pour avancer, mais c'est très très poli. Par contre, j'avoue que là, le véhicule il est complètement dénudé, il n'y a rien du tout. Alors, il faudrait que je vois si dans le mode arcade on est contre plusieurs véhicules. Parce que pour l'instant on a fait que des courses contre une personne. Alors Pauline qui m'en remercie, thank you, bye bye, ok, see you later. On va prendre encore une personne qui a l'air d'être par là. Olé! Elle est où? Ah, elle est ici. On va aller la déposer là-bas. On en mise pas, attention, en hein, 63, c'est pas des kilomètres-heure. Bon, en gros, on doit être à 90, quelque chose comme ça. On est bridé à 90 km/h. C'est pas non plus super rapide. En tout cas, j'ai fait trois. Il y a trois personnes apparemment à déposer, si on veut réussir. Donc je pouvais choisir un peu qui je voulais. Oh mais c'est quoi cet endroit? Oh, attendez. Ah c'est passé. C'est quoi d'ailleurs? Ah ça me l'a remis à l'endroit. Ok. C'est bon, on est arrivé. Voilà, nickel. Ah, je peux pas y aller là? Alors attendez, la marche arrière, voilà, on va y arriver comme ça. Ah bah c'est bon, c'était juste là. Donc là j'ai réussi. J'en ai eu 3, donc ça c'est bon. Je pensais qu'il fallait faire tous les ronds, mais en fait pas du tout. Quel beau travail! No problème, c'était vraiment drôle. J'ai parlé à toi, aux autres passagers que tu as aidé. Et ils ont décidé de te donner une récompense.
Ah, tu peux choisir une voiture bonus. Ok, que je pourrais utiliser pour la course roquette. Merci, Doc. Alors, grip, shield power. Ah, d'accord, ok. Choose award, shield power. Bon, on va mettre du. J'en sais rien, moi, power. Je sais pas, j'ai débloqué une brique apparemment qui augmente la puissance. C'est vrai qu'on a des briques en haut à droite qui sont un peu grisées. Là, j'en ai une maintenant. Donc, je pense qu'après, on peut peut-être les utiliser quand on fait nos véhicules. À voir. Ok, donc on est revenu sur la map. Bon, ok. Donc, ça, c'est très bien. Vous voyez, maintenant, j'ai en haut, j'ai un sur. Pourquoi je suis revenu au même endroit? Aïe aïe aïe, pourquoi je suis revenu au même endroit? Et le doc qui va encore me parler, ça va durer une éternité. Et le. Ah, il va me refaire venir au même endroit. Oh là là, regardez, en plus on va se taper à chaque fois le. Ça, c'est. Voilà, c'est vraiment ce qui coupe complètement le rythme du jeu, qui, ma foi, est plutôt sympa hein, pour le moment, il n'y a pas grand chose à rajouter. Par contre, j'aimerais faire. S'il te plaît, ouais. Oh là là, il va m'expliquer tout. Ouais, c'est super long en fait. Ah, si, c'est bon. Si je fais triangle, je peux passer. Bon. Quitte bonus game, yes. On va quitter mode aventure, on va faire le mode arcade juste pour voir si on a plusieurs véhicules contre nous. Parce que, comme je vous dis, les duels c'est sympa 2 minutes. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire des courses avec beaucoup plus de personnes. Alors, apparemment, il y a aussi des championnats quand on est en mode aventure. Qu'on ne fera pas forcément là. On va faire le mode arcade. Voilà, on va revenir. On peut faire sauvegarder la partie, ce que je ne vais pas forcément faire. Ah! Bon, bah, save game alors si tu veux. Oui, je veux. Ok, allez, quitte aventure, yes. On revient au menu principal. Allez, on va revenir un joueur, on va faire arcade. Saint-Dibé, pour le moment, j'en ai pas débloqué. On va faire le Express Delivery. 3 tours. On va garder le même perso. On va pas changer de véhicule par contre. On va prendre le petit taco. Ah, il y a une Ford T, ça c'est assez marrant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En vrai, il y a deux jeux des modèles plutôt sympas. Là, on a l'impression qu'on a un petit quad. Oh, on a carrément des vaisseaux quoi. Ah, je pense que je vais prendre un vaisseau. Le vaisseau, il me donne bien envie. Ah, il y a vraiment beaucoup de choix. Hein. Ah, on pourra pas dire le contraire là. Ils se sont vraiment fait plaisir. On a carrément des roquettes. Je vais prendre le petit vaisseau. Allez, il est là. Je trouve qu'il est plutôt pas mal celui-là. Yes. Alors, je pense qu'il doit y avoir trois types de véhicules. Puisqu'on avait. Je me demande s'il n'y a pas trois types de véhicules. Honnêtement, genre peut-être un sur la mer, un peu Overcraft, un peu un véhicule classique, je sais pas. Peut-être qu'il y a trois catégories. Parce que là, quand même, entre un vaisseau et une voiture avec des roues, il y a quand même une grosse différence. Hein, je sais pas si vous voyez. Donc, à mon avis, il doit y avoir plusieurs classes. Mais bon, apparemment, j'ai dit n'importe quoi. Allez, c'est parti. Avec le petit détail du ventilateur, ça c'est bien. Donc on est Oh, en plus, le maniement est différent. Faut tout casser, c'est génial. C'est génial. Donc on est quatrième, je pense qu'on doit être 6. Alors oui, on a des briques, hein. On a 5 briques. Voilà, j'ai pris une brique de couleur. Je sais pas quelle est le. On va enfin pouvoir voir l'effet d'un missile. Là, je vais encore en envoyer un. Ça n'a rien fait. Absolument rien fait. Oula, par contre. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que ça tourne très très vite d'un coup. Alors, ce qui est dommage, c'est que. Ah, ok. Donc là, par exemple, j'ai converti. Aïe. J'ai une brique. Donc peut-être que si j'ai plus de briques, après, bah, mes items ont plus de puissance. Il me semble que c'était un peu le cas. On faisait des combinaisons. Quand on était dans le premier.
Alors l'orage, j'ai l'impression qu'au début ça, une sorte de bouclier, puis après ça s'agrandit, ça balance un éclair sur une large zone. Ah, c'est quand même à tête chercheuse. J'envoie tout ce que je peux. Non, alors je me demande si je peux pas, voilà, couper ici. Je pense qu'il y a moyen de couper. Allez. Bon, on est cinquième, hein. On est vraiment nul. Hein. Bon, bah, là, je l'ai carrément coupé en deux, le camion de livraison. Donc là, j'ai encore une brique, mais c'est pas une brique de la bonne couleur, on dirait. Donc du coup, ça a pas rajouté... ça a rien rajouté. Alors que je sais pas ce qu'il fait. Il y a l'IA qui est allé totalement à droite. C'est fini. Bon, on aura fini 3ème, ce qui est pas forcément très bon. Bon, en fait, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est 6. 5-6 sur la course, donc c'est bien. C'est plutôt pas mal. On a la chaîne replay. Donc on peut voir un peu le, ben voilà, la course avec tous les véhicules. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer. De toute façon, c'est un jeu avec un mode d'aventure, donc il y aura plein de modes de jeu différents, plein de trucs à découvrir. En premier, je trouve le jeu plutôt bien réalisé en soi. Il n'y a pas trop de bugs, les graphismes ça va. Bon, sur Play 2, hein, je rappelle. On peut modifier ses vaisseaux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de possibilités au départ pour modifier les vaisseaux. Enfin, pas trop de... Il manque de combinaisons disponibles. Quand j'ai voulu faire la Formule 1, par exemple, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir faire ma F1 que je voulais. C'est dommage, il m'aurait manqué des pièces. J'avais pas assez de pièces pour pouvoir le faire, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors peut-être que ça se débloque au fur et à mesure du jeu aussi. Sinon, voilà, maniement correct, très très enfantin, un peu long au niveau des dialogues. Après, au niveau sonore, rien à dire non plus. Voilà, donc c'est un jeu qui peut être très fun. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Ah, c'est à vous d'en décider, il est un peu différent en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.